إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث من غشنا فليس منا أو كما قال الشيطان يئس أن يعبد ويئس من المؤمنين بسبب إيمانه ولكن يجتهد على هذا المؤمن من أجل أن يدافعه إلى بعض الأخلاق وبعض الأفعال يجلب إليه غضب الله ولعنته فمنها الغش. الله سبحانه وتعالى لي et soyez honnête, respectez le poids et la mesure et pesez avec des balances qui ne sont pas tronquées, qui ne sont pas des balances de triche. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui triche avec nous ou qui nous trompe, il ne fait pas partie des nôtres. Le shaitan, il a désespéré qu'on l'adore comme les gens l'adoraient auparavant. Et il désespère quand il voit qu'un croyant, il a la foi. Mais il se dit qu'il lui reste encore une chance pour détruire cette foi-là. C'est en poussant le croyant vers des comportements qui lui attireront la colère d'Allah et sa malédiction. Et parmi ces comportements, il y a la triche. Il a dit Yarush, Yadhunnu annahu sayanalu fadla wa annahu sayanalu maqasidahu bilghash. وهو يظن أن هذا الذي عنده لا يكفيه ولا يرضى بما عنده فيقصد أكثر من ذلك بطريقة حرامي. فالله سبحانه وتعالى أخبرنا في القرآن بما حصل لهؤلاء الذين كانوا يظنون أن بالغش يبلغون مقاصدهم لكي نتدبر ونتفكر. Celui qui triche, il pense qu'avec cette triche, il va obtenir des faveurs. Qu'avec cette façon malhonnête de faire les choses, il va pouvoir avancer. Et qu'il obtiendra des facilités. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a montré à plusieurs reprises dans le Coran que celui qui triche, même s'il arrive à mettre en place sa tricherie, à la fin, jamais il ne sera satisfait. Et il n'atteindra pas ses objectifs finaux. Donc ce qu'il aura fait, l'effort qu'il aura investi, le temps et l'argent qu'il aura investi, à la fin il reviendra à zéro et il regrettera de l'avoir fait. Faminhum qissatu Yusuf alayhi salam kana ikhwanahu yaquluna fima baynahum uqtulu Yusuf aw itrahuhu أرضا يخلق لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين أي إن أردتم أن يخصكم بالنظر وبالحب ويزيد له حبا لكم عند أبيكم فعليكم أن تباعدوا يوسف وأن تخونوا أبوكم في أمانة يوسف هذا كان مقصدهم أن يحبنا أكثر ويخصنا بالنظر وبالحب وثانيا وتكون من بعده قوما صالحين أي بعد هذا الذي يغضبكم تصلحون أنفسكم فيتوب الله عليكم أو الحاجز بينكم وبين مرتبة الصلح يوسف فباعدوه وبعد ذلك تكونوا قوما صالحين أو يختار الله فيما بينكم نبيا بعد أبيكم كما كان في العادة
النبي ولده يكون نبي بعده فكانوا قصدوا ذلك وأرادوا أن يناله بالغش فهل نالوا ذلك هل انتهوا إلى مقاصدهم انظر إلى عاقب القصة. Et donc parmi ces histoires il y a l'histoire de Youssouf alayhi salam. Ses frères étaient jaloux de lui et ils ont dit tuez Youssouf ou jetez-le dans une terre déserte pour que votre père il se tourne maintenant vers vous et qu'il vous aime davantage et que toute son attention elle soit dirigée vers vous. Il va l'oublier et après Youssouf vous serez des gens pieux. Ce qui t'empêche de devenir pieux, c'est Youssouf. Après Youssouf, tu seras quelqu'un de pieux. Et la personne, elle veut atteindre son objectif avec quelque chose de haram. Comme il y a des gens, ils te disent, moi, si j'ai telle somme d'argent, après, je vais être quelqu'un de pieux. Ça y est, après, ce sera toujours la mosquée. D'abord, il faut que j'atteigne telle somme avec le haram, et après, je vais être quelqu'un de salih. Après, ça y est, je vais me consacrer à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ont dit, après, on sera pieux. Ou après, Allah subhanahu wa ta'ala, il choisira parmi nous qui allons rester, celui qui va être prophète. Parce que l'habitude, auparavant, c'était que quand un prophète, il meurt, Allah, il choisisse parmi ses garçons, celui qui va être prophète après lui. Et c'est une des raisons pour lesquelles Allah, il n'a pas fait vivre les garçons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il n'y a pas de prophète après lui. Mais à l'époque, Ibrahim, prophète Ishaq, prophète Yaakoub, prophète Youssouf, ainsi de suite. Alayhi salatu wassalam. Donc ils ont dit, ce qui nous empêche d'atteindre la piété, ou ce qui nous empêche d'être choisi prophète, c'est Youssouf. Donc il faut qu'on s'en débarrasse. Mais est-ce qu'ils ont atteint leur objectif? Bil'ax, au contraire. لما تناحى يوسف عليه السلام في مصر زاد حب أبوه يعقوب عليه السلام ليوسف لم ينقص بل زاد حتى أن بكى وفاضت عيناه من الحزن فهو كظيم وزاد له الشك في أولاده كان عنده شك قليل ولكن بعد ما فعلوا زاد له الشك عليهم وهل أصبحوا بعد ذلك من الصالحين لا صلحا ولا نبيا قالوا إذ قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل أي كذبا افتراه على يوسف فهل أصبحوا صالحين بعد يوسف لا واختار الله يوسف نبيا فالذي يغش لا ينال مقاصده وان قام بغشه. Et donc après le départ de Youssouf et son éloignement de son père, l'amour que eux ils espéraient que leur père il allait leur donner, ben cet amour il a augmenté pour Youssouf. Il a aimé encore plus jusqu'à pleurer à en devenir aveugle de tristesse. Et ils avaient une place auprès de leur père. Leur place, elle a diminué. Il a encore plus de doutes sur eux. Au début, il a dit, je ne vous le confie pas. J'ai peur que le loup, il le mange. Mais à la fin, il leur a dit clairement. Il a dit, est-ce que je vais vous le confier, Benyamin, le frère de Youssouf, comme je vous ai confié Youssouf? Et donc, ils n'ont pas obtenu le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est de devenir des gens pieux après. Ou d'être choisis comme prophète. Allah, il ne les a pas choisis comme prophète, il a choisi Youssouf alayhi salam comme prophète. Et est-ce que la piété est venue en eux des années plus tard, après des années, quand Youssouf alayhi salam il était en face de eux et qu'ils n'ont pas reconnu, et que le frère de Youssouf il avait été accusé de vol, ils ont dit son frère de la même mère, en parlant de Youssouf. Son frère de la même mère, c'était un voleur aussi. C'est son grand frère qui lui a appris le vol. Donc ils ont inventé un mensonge sur quelqu'un qui ne savent pas s'il est mort ou s'il est vivant et ils mentent encore. Donc ils n'ont pas atteint leur objectif.
ففي القرآن إبرة وفيما حولنا من القصص كم من الناس أرادوا أن ينالوا بعض المقاصد حميدة بطريقة فاسدة فذاك هذا الرجل بنى شريكة بالغش والريبة فأصبح من الأغنياء كان عنده شريكة شاحنات فلما جاء أمر الله سبحانه وتعالى ذات يوم كان ابنه يسوق شاحنة في داخل الشريكة فاحترق الشاحنة واحترق ابنه والشريكة كلها فكان عاقبته خسرة وامرأة ذابت عند ساحر لتعمل السحر على زوجها من أجل أن يحبها هي فقط فالساحر عمل أعماله فأصبح هذا الرجل المسكين يحب كل النساء إلا هي فذابت تشتكي عند الشيخ يا شيخ ماذا أفعل هو يحب كل النساء إلا أنا الآن وكذلك هذا الرجل الذي أصبح غنيا بسبب الغش في آخر حياته ينظر إلى الناس يأكلون فحين تسأله لماذا لا تأكل معنا فيقول منعني الطبيب والصحة إن أكلت ما تأكلون أموت أكلتي اليوم الدواء وبعض الأشياء مرة أو هذا السائق المسرع يقطع الطريق للناس ويمنعهم عن حقوقهم يهدمها من أجل أن يكسب وأن يبلغ مكانه بسرعة ومن أجل أن يكسب 10 دقيقة أو 20 دقيقة في الأخير ضل عن الطريق فخسر من الوقت أكثر من الوقت الذي كان يريد أن يربح فالله سبحانه وتعالى يعلمنا ويرينا وفي القرآن عبارات كما جاء في قصة سورة القصص Et je disais, dans le Coran, il y a beaucoup d'exemples qui nous montrent que même si tu arrives à faire ta triche, à la fin tu ne réussis pas et tu regrettes. Et autour de nous, il y a beaucoup d'histoires. Une femme, elle est partie voir un cheikh, elle a dit, cheikh, comment est-ce que je dois faire pour m'en sortir? Elle a dit, qu'est-ce qui se passe? Elle a dit, je suis partie voir une voyante pour faire de la magie blanche. L'ani de la magie blanche. Pour que mon mari n'aime que moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais maintenant mon mari, il aime toutes les femmes sauf moi. Comment est-ce que je dois faire? Et un autre cheikh, il raconte l'histoire d'un homme qui est devenu riche parmi les musulmans en trichant et en usant des intérêts usuriers. Et les gens, ils le regardent. Et il a une grande société avec beaucoup de camions. Un jour, son fils, il était dans le camion, il le conduisait dans l'intérieur de l'usine. Et le camion, il a percuté quelque chose. Le feu, il a pris. Son fils, il est mort dedans. Et la société aussi, elle a brûlé. Un autre, il est devenu riche avec la triche. À la fin de sa vie, les dernières années de sa vie, il n'arrive pas à manger. Il regarde les gens manger. Et les gens, ils disent, pourquoi tu ne viens pas manger avec nous? Il dit, la santé, elle m'empêche. Et le docteur, il a dit, si je mange ces bonnes choses-là, je meurs. Je peux prendre que des médicaments et certaines nourritures amères. Donc, il a fourni beaucoup d'efforts pour pouvoir être tranquille à la fin. Et Allah, il ne lui permet pas de l'atteindre. Parce qu'Allah, il ne met pas sa bénédiction dans ces choses-là. Allah, ce point-là, il ne permet pas à cette personne de réussir. Et tu trouves aussi une personne, elle conduit vite en coupant le droit des autres, en coupant la route aux autres, en espérant gagner 10 minutes, 20 minutes d'arriver vite dans son endroit où il veut arriver. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il fait qu'à la fin, il se trompe de chemin et le temps qu'il voulait gagner, il perd plus que ce temps-là.
Donc on doit méditer sur ces histoires pour que ce comportement, il sorte de nous et qu'on se satisfait de ce qu'Allah a destiné pour nous. Et Allah, il a expliqué dans Surat Qasas, le récit, l'histoire de quelqu'un qui n'était pas satisfait de ce qu'Allah, il a écrit pour lui. Et cette personne, elle voulait du plus avec la triche et ce qui n'est pas licite. Et comment elle a été sa fin. Akuli kawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum istaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أحيانا يكون للشخص وللعبد كثير ويريد أن يكون له أكثر من ذلك. إنه كثير ولكن يريد قليل في الحرام، قليل بالغش، قليل بالفساد، فيخسر القليل والكثير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن هذا الأخلاق من الأخلاق الغزيلة: لو كان لي ابن آدم واد من ذهب لتمنى أن يكون له واديان ولا يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله لمن تاب. Dans les comportements que nous les êtres humains on a, c'est que des fois on a beaucoup, mais on veut un peu qui est dans le haram ou qui n'est pas comme Allah il veut. Et à cause de ce un peu là, on perd le beaucoup. Dans le paradis, des milliards d'arbres et juste un seul arbre interdit et on s'est retrouvé ici. Et donc des fois, à cause de un peu que la personne elle veut et qui n'est pas dans ce cas-là il aime, elle perd le un peu, elle perd le beaucoup. Ça, c'est dans les comportements qu'il y a dans l'être humain. Et ces comportements-là, on doit travailler dessus pour les enlever et les corriger. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit si un des fils d'Adam, c'est-à-dire les humains, s'il a une vallée remplie d'or, il souhaiterait en avoir une deuxième. Seulement la terre de la tombe, elle peut remplir sa bouche, le satisfaire. Mais malgré ce comportement, Allah, il pardonne à celui qui demande pardon. ففي القرآن كان لقارون من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة كان غنيا ولكن كان يفتقد شيء تعظيم الناس له الناس كانوا يتعجبون من ماله ولكن كان يريد تعظيمهم وهذا التعظيم الله آتاه لموسى عليه السلام فكان يحسد موسى يغير عليه ليلا ونهار فكان يريد هذا الفضل هذه زاهدة من أجل ذلك نادى باغية ووعد لها قطعة من ذهب إن قالت كذا وكذا فذات يوم كان موسى عليه السلام يخطب ويذكر ما حرم الله سبحانه وتعالى في كتابه حتى ذكر شأن الزنا فقالت يا موسى أنت تقول كذا وكذا وماذا حصل بيني وبينك فنزل موسى فدنا إليها عندها فلما رأته خافت فقالت لم يحصل لم يكن أي شيء بيني وبينك إلا أن قارون أمرني بهذا فذهب موسى عليه السلام متوجها إلى بيت قارون فجعل الله الأرض تحت أمره فأمر الأرض فخسف به وبداره الأرض إلى يوم القيامة فخسر الكثير من أجل القليل كان يريد شيء زاهد بالغش وبالحرام فخسر خسران أبدية حفظنا الله وإياكم. Et donc قارون il avait tellement de richesses qu'Allah il dit même les clés, elles étaient lourdes à porter pour les gens les plus forts de l'époque. Juste les clés. Alors comment les richesses? Et Allah il dit, wa atainahu, c'est nous on lui a donné cette richesse-là. C'est nous on a choisi qui va être riche, qui va être pauvre.
Mais il lui manquait quelque chose. La reconnaissance des gens, que les gens ils l'élèvent, que les gens ils l'apprécient, que les gens ils le magnifient. Il avait tout l'argent. Mais les gens ils donnaient plus de prestance et de valeur à qui ? À Moussa alayhi salam. Et lui il sentait mieux que Moussa. Il dit regarde-moi mes richesses, regarde lui ce qu'il a. Et il avait cette concurrence dans son cœur. Comment est-ce que je vais faire pour le rabaisser, pour que les gens ils m'élèvent et m'honorent moi ? Il voulait un peu en plus, mais qui était dans le haram. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a appelé une prostituée, une femme de mauvaise vie, et il lui a dit, je te promets de te donner tant d'or. Et elle sait qu'il a les garanties, il a l'or, si tu dis telle et telle chose. Alors pendant que Moussa alayhi salam, il faisait un discours, et qu'il a évoqué ce qu'Allah il a interdit dans son livre, et qu'il a évoqué le fait que Allah il a interdit la fornication, qu'un homme avec une femme sans mariage, elle a dit devant tout le monde, « Ah, mais toi, tu dis ça. Qu'est-ce qui s'est passé entre toi et moi ?» Ah, Moussa, alayhi salam, il est descendu. Et il est parti la voir. Quand elle l'a vu, la lumière, la prestance, elle a eu peur. Elle a dit, « En vérité, il n'y a rien qui s'est passé entre toi et moi. C'est Qaroun qui m'a promis de l'or si je dis ceci et cela. » Alors Moussa, alayhi salam, il est parti en colère dans la direction de la maison de Qaroun. Et Allah il a dit à Moussa, j'ai mis la terre à ton service, fais ce que tu veux. Si Moussa alayhi salam il voulait, il aurait fait comme Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il a fait. Lorsque l'ange il a dit, Allah il a mis à ton service les montagnes. Si tu veux, j'écrase ceux qui t'ont fait du mal entre les deux montagnes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit non. J'espère que de leur enfant, si eux ils ne m'acceptent pas, j'espère que de leur enfant, il va sortir des gens qui vont accepter la ilaha illallah. Mais Moussa alayhi salam, il n'a pas choisi cette option. Il a dit à la terre, avale-le lui et sa maison. La terre, elle s'est ouverte et sa maison, elle a été engloutie. Et ses richesses, ils ne lui ont servi à rien. Et à cause du peu qu'il voulait, il a perdu beaucoup. Combien d'hommes ou de femmes, ils sont en couple et à cause d'un peu dans le haram, dans la triche, ils perdent leur couple et leur vie de famille. C'est pour ça que chacun d'entre nous, il doit s'éduquer pour enlever de ses comportements le fait de ne pas être satisfait de ce qu'Allah a destiné pour toi. Celui qui n'est pas satisfait de ce qu'Allah a destiné pour lui, c'est comme s'il était en colère contre le partage d'Allah. Enfin, c'est ce comportement qu'on appelle al-qana'a, le fait d'être satisfait et de ne pas chercher à avoir plus avec la triche, toutes sortes de triches. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre. Amen. On demande qu'Allah il guérisse une fille qui s'appelle Tauba. Elle est à l'hôpital. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne une guérison complète. Amen. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala la lave de cette maladie. Et qu'Allah lui donne une santé meilleure que sa santé. Amen. Et un autre frère aussi qui va faire un examen demain. Il s'appelle Jaafar. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse que son examen se passe bien. Amen. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'il n'en découle que du bien. Amen. Et qu'il le préserve, lui et nous, de toute maladie mauvaise. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قم إلى صلاتكم اعتدلوا وتراصوا استووا ولا تختلفوا الله اكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما مفاتحه وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله